Salut à tous, petite vidéo pour vous expliquer comment j'enregistre mes sons au saxophone parce que vous avez été nombreux à me demander quel matériel j'utilise. Donc voilà, une petite vidéo qui sera assez rapide et suivie d'un son à moi enregistré avec les techniques que je vais vous expliquer dans la vidéo. Allez, bon visionnage. Donc pour le matériel, j'utilise donc mon téléphone portable pour enregistrer, qui est repiqué sur une table de mixage, donc table de mixage Behringer en l'occurrence, avec effet intégré, préamp pour le micro. Donc vous avez donc le câblage là qui vient ici, qui sort en mini jack, le micro qui est branché ici, tac, ça part sur le micro qui est ici. Donc c'est un super luxe cardioïde que j'avais dû prendre sur Thomann à l'époque, je pense. Je suis même sûr. Et donc le câblage que je parle, c'est celui-là. Donc ça vient directement sur ça. Hop, 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 hop. Ici, vous avez donc une double connectique. Une connectique pour le casque. Une connectique pour le jack qui vient directement sur la table. Ça vient directement se brancher sur la prise de jack du téléphone. Le casque permet d'avoir le retour avec les accompagnements. Je m'en sers beaucoup sur YouTube. Personnellement, j'en trouve pas mal, donc ça c'est cool. Donc ça me permet d'avoir donc l'accompagnement directement dans le casque, mais également le son qui sort de la table. C'est-à-dire que j'ai la possibilité donc d'équilibrer mon son, de gérer mes effets par rapport au son que je recherche, etc. Et donc mon réglage d'enregistrement. Et donc voilà, la prise micro. Donc voilà, tout simple. Et pour l'application, j'utilise BandLab. C'est le même principe à peu près qu'Audacity, hein, pour les connaisseurs de ce logiciel. Et donc voilà, ça me permet d'avoir un mini studio d'enregistrement pour pas grand-chose, parce que le micro devait coûter, je pense, à peu près à l'époque 50 euros. La table, on était dans les 80 balles. Les câbles, c'est 5 euros les câbles. Un casque, c'est un casque. Et puis bah, le téléphone, aujourd'hui, on a tous un smartphone à peu près. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Salut!